Comment tirez-vous, amis supporters? Pour cette troisième émission, les témoignages de nouveaux irréductibles, l'après-match avec Jean-Michel et des images de l'intérieur du mur. Un départ un peu difficile, un soi-disant MVP qui quitte le navire alors qu'on a besoin de lui, mais bon, on a vu ce soir qu'on sait rebondir. On a besoin du soi-disant meilleur joueur de la Pro pour gagner un match. On l'a bien vu ce soir avec notre belle victoire face à Pau. Et en plus, ça n'a pas été facile, on était à 8, on a eu beaucoup de fautes contre nous. 8, ouais, c'est vrai qu'on joue qu'avec 8 pros, dont Adam qui est sa première saison professionnelle. On arrive à bien démarrer le match, derrière la suite est un peu plus compliquée, mais dans le troisième quart-temps et surtout la fin du match, Quentin Serron nous fait un très grand choix à 3 points pour nous permettre de passer devant et finir le match derrière. Et un petit mot pour la fin et pour la suite? Allez Graveline, tous BCM, tous désirés. Yeah! Beaucoup de changements, un club qui est en train de se former. On a vu quand même du bon changement déjà rien que ce soir. Et un peu déçu par l'attitude de Cooper. Ouais. Est-ce que justement il n'y a pas eu un petit déclic avec ce départ, tu penses? Si, je pense quand même. Je pense que les joueurs là, ils ont encore eu plus envie de gagner maintenant que quand tout ça s'était pas passé. Quoi. Et un petit mot pour la suite? Allez Graveline. Yeah! Les défaites, on n'en parle plus. Maintenant, on va penser au présent et au futur. Le départ de DJ a fait un mal, peut-être pour un bien. On ouais. verra bien par la suite. Mais en tout cas, ce soir, on a vu un bon BCM. Première mi-temps, pas trop dans le jeu, mais deuxième mi-temps, un peu plus dans la rage. Vraiment l'envie de gagner, et là, ça fait plaisir. Et l'après-coupeur, du coup, démarre plutôt bien. Ça démarre plutôt bien et c'est un beau pied de nez pour ce joueur. Un petit mot pour la fin et pour la suite? J'ai plus de voix tellement que c'était super. ouais, ça a été difficile. Comme je vous l'ai dit, c'est un match à l'image de la saison. Il y aura des hauts, des bas, des très bas, des très hauts. Donc voilà, il va falloir faire corps et rester solidaire comme on l'a été ce soir et ne rien lâcher sur aucune action. Et ça va nous emmener à la victoire et ça va nous permettre de jouer un très bon basket et engranger de la confiance pour le reste de la saison. Et la saison commence maintenant, donc c'est nickel. Voilà, exactement. La saison commence maintenant et puis à nous maintenant de rester sur ces trames-là et en ajoutant la victoire. Merci à toi en tout cas. Merci. Salut à Copinard et salut DJ.